Je tuerai ceux qui ont coulé mon navire. Calme-toi, mon ami. Souviens-toi pourquoi on est ici. Je suis grand bien, capitaine. On pourra tirer avantage du port. Je vois pas ce qu'il y a devant moi. Barrez à faire feu. Toute la salle. C'est les mortiers. Mais ne t'approche pas. Feu. Il est vulnérable à cet endroit. Feu. Gardez les lumières et les perroquets. Capitaine, le couple est placé à cet endroit. Feu. 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 C'est là qu'il faut tirer. On va pas pouvoir l'aborder. Allez-y, maintenant. Les requins attendent. Les pierres jusqu'au dernier pouce. On va défoncer les petits autour. Tous au voile. Il y en a juste deux. On est super bien parti. On a vachement amélioré le bateau, putain. Gardez les cacatois et les huniers. Un tir bien ajusté, lui ferait traîner la vague. André, capitaine, le coup bien placé à cette. Ça va, ça m'a pas fait grand mal. Il est vulnérable à cet endroit. Ne coule pas ce négrier, Kenway. Il y a des centaines d'innocents à bord. Je ne vois absolument pas où je tiens. Au bonnet, je veux de la vitesse. Eh ben au final, t'en as besoin de... On est pas mal. Beaucoup plus facile que la dernière fois, notre bateau est quasiment comme neuf. Donc on est à l'épisode 43, pardon, j'ai commencé directement, je me suis dit au cas où... On est pour pas rentrer. Donc on va se faire une dernière fois, il lâche, c'est le tout le monde s'est calé. Donc pour le 43ème épisode, on joue à... On y va, promis le capitaine. Putain, il a fait la poudre et le fer en plus de poings que les cris et les insultes. J'en ai plus qu'à cette pizza. Ok. Donc on a fait le capitaine. C'est par là. Ils vont venir. Faites leur payer, les gars. Ah merde, payé. On va s'occuper directement de... Ils vont venir. Faites leur payer, les gars. Voilà. Merde. Merde. Voilà. C'est, allez, c'est bon. Yes, on l'a eu, putain le plus chiant. Bon, on se fait la suite. Salut les gars. Bon, c'est fait, je suis un peu... Mais ça va aller, ça va bien. Non. On se concentre. Oui. Putain, nous est tombé, on est trop chaud. Allez, encore un coup. Allez, vas-y, toi, les coups. Yes. What? Putain, merde, j'ai balancé mon chrono en plus. Alors. Voilà, on l'a eu, enfin, putain. D'après le capitaine, le Princess transite régulièrement par Kingston. Très bien.
C'est là qu'on met le cap. Vous avez mis en pièces mes voiles et mon gréement, bande de gredins. Vous me devez une part. Mon Dieu, Ben! Oh, Charles! Tu n'es qu'un démon sans cœur. Ne m'emmerde pas, Jack. Mais t'emmerder est ma vocation. Charles! Les gars! Vous voyez? Les gars et moi, on a discuté pendant que vous perdiez votre temps. Et ils ont trouvé que je ferais un meilleur capitaine qu'une meute de chiens fous. Je te jure que tu finiras castré, sale traître! Celui-là, je devrais bien en tirer 10 livres à Kingston, mais avec des ivrognes de votre calibre. Je préfère prendre aucun risque. Tu regretteras cette journée, Rackham. Je les regrette déjà presque toutes. Ligotez-les! Ah, les enfoirés. Qu'on les abandonne. Ah, putain. Je vais t'étriper, Jack Rackham! Je vais t'ouvrir en deux, je vais te sortir tous les boyaux, et je vais en faire des cordes de lutte! Tu peux arrêter de brailler, Ven! Ça nous avance à rien! Oh bah tiens, le redoutable Edward Kenway a parlé. Mais dis-nous un peu, capitaine, quelle issue tu vois à ce désagrément? Et surtout, par quel génie tu comptes conduire un bateau sans voile et sans gouvernail? Tu vas la fermer! Bon, on n'a pas le prompt. Et couler un navire à l'aide des défenses du fort. Ah bah on l'a pas fait exprès alors. Parce qu'on avait le fort à côté. Heureusement on a bien fait de le prendre en fait. Et il nous a sûrement aidé. Je pense qu'il nous a carrément aidé le fort. Bon, on est prisonnier. Abusé. Tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous faire quoi. On va être abandonné. On a abandonné sur une île, on a même plus notre bateau, on l'a amélioré comme on pouvait. On va récupérer le jack d'eau. Qu'est-ce que tu cherches, la Kenway? À manger, d'accord. Comme ça, tu attrapes un crabe. Oh! Ne bouge plus! Donne-moi ta jolie petite récolte. Pauvre minable. Cette île manque pas de nourriture si tu prends la peine d'en chercher. Mais je cherche, larbin! Et je viens te trouver. Non! Essaie pas de me suivre! T'entends? Essaie bon, pas de me retrouver! Ils m'ont laissé mes brassards quand même. Enfin, tu es pitoyable. Mes couteaux de. Ah! Mes couteaux de bras là, je sais pas comment on dit merde. Enfin bon, vous avez compris quand même, ils ont laissé. C'est là qu'il faut grimper, super. Je fais bien pour... Allez, bordel! J'aime bien ce revirement quand même. Je m'y attendais pas en fait, je pensais qu'on allait juste faire l'évolution pure et simple. Ah d'accord, c'est pas là. Bah c'est là. Ok. Bon, je pense qu'on en est aux 2/3 du jeu, non? C'est pas ça? Vu qu'on est au niveau 2 d'effort et il faut qu'on aille au niveau 3. Je ne sais pas. Voilà, on se refait un peu. Ok. Bon, on n'a plus rien. Putain, on est nu-pieds. Mis à part nos lames, quoi. Les lames secrètes, putain, c'est ça. Putain, faut se refaire. Tu es vain. Ça, crois-moi que je vais me faire plaisir à dire. Come, let us drink it while we have breath. For there's no drinking after death. And he that will his health deny. Down among the dead men, down among the dead men. Bon, c'est pas down, je sais pas down, 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 down among the dead men.
Ratchem Lao. Il va me casser les couilles longtemps, ce gars. Putain, mais j'ai plus de PV, quoi. Oh merde, putain! Ah, je me suis planté de touche. Sous la barre réflexe, Elastix. Ah, fait chier! Oh non, faut recommencer la route. Dépecer des animaux, mais on s'en fout. Enfin, bon, d'accord. C'est optionnel, ça va nous faire un peu de. Mais j'ai pas spécialement envie, moi. D'accord, tout simplement passer là en fait. Super. And he that will his health deny. Down among the dead. Ah, y'en a un là. Down among the dead men. Down, 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 down. Down among the dead men. Rest him. Ah, voilà. L'autre, il m'a trop taunt tout à l'heure. Il n'y en a plus rien. Bon, comment on grimpe là-haut là? Ah, tiens, il y a un coffre. Il va être ici. Je ne sais absolument pas comment passer. Mis à part si. Là. Yes, ça passe. Alors. Bon, bon, vas-y, fais ça alors. Je prendrai pas le fragment, tant pis. Y'a pas une autre route? Non, hein. Je suis tellement perdu. Ah bah vas-y, fais ça. Et un fragment. Putain, y'a pas grand or ici, hein. Ah, il est là. Bon. Alors, c'est quand même par là. Il est pas loin alors. C'est pas lui. Mais... Va danser avec le pêcheur et ses poissons, Kenway. C'est qu'il est à moi. Si tu viens me chercher, je te tue, Sang. Ce sont tes maudits rêves qui nous ont échoués ici, Kenway. Que je sois damné si je te laisse encore prendre une décision à ma place. Tu ne veux pas discuter, Evan? Tu vas t'accrocher à cette folie? Folie? En quoi un homme qui cherche à survivre est un fou? Je te veux aucun mal, pauvre idiot. Réglons ça entre gentlemen. Quoi? Pour dire, ces jacasseries me donnent mal au crâne. Va-t'en et laisse-moi vivre en paix. Je te laisserai en paix quand t'arrêteras de me prendre ce que je trouve à manger et à boire. T'arrêterai voilà. Que quand tu m'auras payé le prix du sang. C'est à cause de toi qu'on a chassé ces maigriers. Et c'est par ta faute que Rakam m'a pris mon navire. Comment on regrimpe là? Je vais tenter un truc. Oui. Ça a l'air pas mal. Bon, on va passer celui de l'autre côté alors. Tu vas grimper, t'es sérieux? Bon bah. On allonge hein. Et en fait je vais juste faire un raccourci. D'accord, pour aller là, je vais me faire chier tout de suite. On verra plus tard.
Putain, elle est relou, la sonnerie. Ben, où es-tu? Ah, je synchronise avant, hein. Putain, pour une fois, j'avais galéré là, à faire la mission de début d'épisode. Et maintenant que j'y arrive, c'est chaud. On est prisonnier, on n'est plus rien. Ah. Putain, il crasse le filou. Non! Non! C'était pas super cool. D'accord, je fais pas le taunt, par contre il peut me faire mal, on va se barrer. Je vais le mettre au-dessus et le buter. Je t'avais dit de pas me suivre! Ben, tu perds la tête, mon vieux! C'est qu'une juste compensation! Moi, j'ai trouvé des mousquets et des grenades! Écoute-moi, Ven! On pourrait chasser avec ces armes! Excellente idée! Bon, bah, écoute, j'arrive, hein. Oh! Je vais t'envoyer en enfer! Bon, j'attends juste de me... Je vais te faire disparaître. De me régène un peu. Aucune issue pour toi. Tu vas finir en petit morceau, Kenway. Bah, t'as raison. Capturé, je peux même pas le buter. Il est où ce con? Ah, il a capturé, merde! C'est toi et tes stupides comptes de fées qui nous ont mis dans ce pétrin, Kenway! Que je sois maudit si je te laisse le combat! Si tu continues, je vais devoir te tuer, Ven! Eh bien, essaie, vermine, je t'attends! Oh l'enfoiré! Je m'en doutais de celle-là. Je te vois venir à milieu! Ah, je m'en doutais, j'ai essayé de d'avancer pour reculer, mais je sais pas comment on peut le défoncer. Super. Ah, croco! Super, je suis mort. Oh non! Putain! Chier, il est trop chiant. C'est toi et tes stupides comptes de fées qui nous ont mis dans ce pétrin, Kenway! Que sois maudit si je te laisse le combat! Si tu continues, je vais devoir te tuer, Ven! Eh bien, essaie, vermine, je t'attends! Ah, mais je voulais juste tuer l'animal de mes deux, là. Ah. Ok, donc là, il va me le péter. Non, c'est pas celui-là. Bon. Casse-couille, c'est le seul, j'ai mes trois. Je sais absolument pas où je suis. Hein. D'accord, c'est parce que je passais par en-dessus, quelque chose. Par au-dessus. Je vois venir, chacal! Je vois venir à milieu! Ah ouais, mais là je le vois venir aussi, mais je peux pas le tirer, ce truc-là. Voilà. Évidemment. Là il y a un croco. Comment? Qu'est-ce qu'il est, ce truc de merde? Il y a un croco, putain! Merci.
Allez, plus, plus. Non mais vite-le. Allez, je peux pas toucher ce que j'ai de merde. On va me par où là? C'est pas ça. D'accord, c'est par les pieds. Non! C'est pas vrai. Bon. D'accord, c'était par là. T'es con, mais... Bon, moi j'aurais eu un cadeau. Bon. Un seul de nous quittera cette île vivant, Edward! Parce que je refuse de naviguer dans un monde pourri par ta sale drogue! Oui. Putain, ça fait déjà 20 minutes là. Tuer, d'accord. Tout à l'heure c'est capturé, là c'est tué. D'accord, putain. Faut aller régène, bordel. Je vais t'arracher les jambes. Allez, vas-y, tire. T'es encore debout? Tiens. Allez, je suis encore debout. Ouais. Ah l'enfoiré. M'échapper, Kenway. Ah si, je peux t'échapper, mais... Par contre, là... Regagne ta vie, bordel. Je vais te faire disparaître. Tu vas te faire un petit morceau, Kenway. Si tu me vois pas, je vais te dire si tu me vois pas. Tu me vois plus là d'où tu es normalement. Je vais t'arracher les jambes. T'es encore debout? Tiens. Ouais. Oh la vache. Aucune issue pour toi. Bah là, pour le coup, quand même, si. Je vais t'arracher les jambes. Voilà, on synchronise, je vais sûrement tomber parce qu'il va me tirer dessus. Tu peux pas m'échapper, Kenway. Y'a le mec trop serein, quoi. Vas-y, on synchronise, on regarde un peu la map. Voilà. T'es qu'un sale gibier de potence, Sven. Mauviette, t'es incapable de faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Foutu pirate, voilà ma récompense pour avoir cru à la bonté des hommes. Pour avoir pensé que le pire des racals pouvait se mettre à réfléchir au moins une fois dans sa vie. Peut-être, Cornigold avait raison. Peut-être que le monde a vraiment besoin d'hommes d'ambition pour empêcher les gens comme toi de nous conduire au chaos. Ou peut-être que t'as pas assez de cran pour vivre sans regret. Inutile de m'attendre aux portes de l'enfer, Charles. Je compte pas t'y rejoindre. Ouais. Bon. Ah. Mission accomplie. Eh ben, on a tout fait. Oh, 100%. On a été bon. Non, on a été super mauvais. À la dérive. Bon, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, je pense, hein, si selon la vidéo derrière. Great Inagua, mai 1719. Voilà un beau schooner, tout seul, comme ça. Quel démon, ce Vane.
Et vous avez pas eu peur de reprendre mon brick à ce parasite. Encore une fois, je vous remercie. Il n'a pas fallu plus de 2 mois à ce chien galeux pour revenir à Nassau, la queue entre les pattes. Il a choisi le pardon, séance tenante. Est-ce que j'ai eu le choix? Ce Roger s'acharne sur moi depuis le début. Ravale ta langue, Rackham. Et maintenant? Toujours en quête de ta satanée fortune? Ouais. Ouais, et je me rapproche. Le sage fait voile depuis Kingston sur son navire, le Princess. Si seulement ton ambition était mieux dirigée, Kenway. Trouve le sage avec nous. Je n'ai aucun penchant pour toi et ta mystique, Marie. Je veux goûter à la belle vie. À la vie facile. Les gens honnêtes refusent la vie facile, Edward. C'est en rêvant à une telle existence qu'on se fait le plus mal. Allez, Rackham. Fais tes adieux à cet endroit. Voilà, et ben c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vais vous donner rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde!